impôts. Google a piqué vos infos? Le site internet des impôts offre à Google des données de millions de Français. Déclaration en ligne. Vos données aspirées par Google? Comment une vidéo YouTube sur impots.gouv.fr offre vos données à Google? Déclaration de vos revenus sur impots.gouv. Comment Bercy offre vos données personnelles à Google? Rumeur? Pas sûr. Examinons ça de plus près. Cette année, pour expliquer le prélèvement des impôts à la source qui démarrera en janvier 2019, la Direction Générale des Finances Publiques, autrement dit la DGFiP, a décidé de donner dans le pédagogique. C'est pourquoi elle a créé une vidéo d'explication à destination des contribuables français. Ça commence plutôt bien. La pédagogie, c'est très bon pour la santé. C'est très important pour la santé du cigare. Le hic, c'est que pour être sûr qu'elle soit vue, elle a fait deux choix déjà discutables séparément, mais qui, mis ensemble, étaient très problématiques. Tout d'abord, ils avaient rendu le visionnage obligatoire, dès votre arrivée sur le site impots.gouv.fr. Ça a pris la forme d'un espace au premier plan du site qui vous imposait de regarder la vidéo. Difficile de passer outre sans bidouiller, et il fallait attendre 60 secondes de visionnage pour enfin se connecter à son compte. Rien de très grave ici, mais ça posait déjà au moins deux problèmes. Premièrement, c'est chiant. Tout à fait. Ce n'est jamais agréable d'être forcé à faire quelque chose d'autre que ce qu'on souhaite faire. Les publicitaires commencent doucement à le comprendre, faire apparaître une vidéo en plein milieu d'un article pendant sa lecture, ça énerve. Pour atténuer cela, pour éviter de vous la montrer plusieurs fois, lorsque vous visionnez la vidéo, un cookie vient attester que vous l'avez déjà vue. Pour plus d'infos sur les cookies, allez faire un tour sur notre vidéo qui détaille comment ça fonctionne. La limite, c'est qu'à chaque changement d'ordinateur, si vous n'acceptez pas l'utilisation des cookies ou pour quelque autre raison technique, vous êtes bon pour un nouveau tour. Et puis, ils n'ont pas pensé à leurs concitoyens équipés d'une mauvaise connexion. C'est déjà désagréable de déclarer ses revenus quand ça fonctionne bien. Oui, finalement, trop peu de gens se font une joie d'aller régler leurs impôts, mais si en plus une vidéo qui met 2 heures à charger les en empêche... Ouais. Second choix problématique, ils ont hébergé la vidéo sur YouTube et l'avaient intégrée avec le lecteur par défaut. Privilégier un acteur américain à qui l'État reproche de ne pas payer assez d'impôts en France tout en clamant qu'il faut une souveraineté numérique, c'est un peu cocasse. Oui, on sait, nous aussi, on est sur YouTube. Il est d'ailleurs assez marrant de lire que la DGFiP a utilisé l'un des mêmes arguments que nous pour justifier l'utilisation de YouTube, la popularité de la plateforme. La différence, c'est que l'on vous offre aussi la possibilité de nous voir sur Dailymotion et sur notre propre instance Peertube. Pourtant, l'État aussi avait le choix. Les ministères de Bercy ont aussi un compte Dailymotion. Ils ont tout de même choisi d'intégrer le lecteur YouTube, soi-disant pour sa popularité. Mais comme ils forcent la lecture de la vidéo sur leur site, ça change rien, ils auraient pu se servir de celui de Dailymotion ou d'un autre. Et le gros problème du lecteur par défaut de YouTube, c'est qu'il ne se prive pas pour noter votre passage sur cette vidéo. En gros, la combinaison de l'obligation de regarder cette vidéo et du lecteur par défaut de YouTube, c'est que toutes les personnes qui sont passées sur le site des impôts à ce moment-là ont vu une information personnelle de plus s'ajouter à leur fichier profil chez Google, permettant encore un peu plus le pistage des internautes. Oui, parce que même si vous n'êtes pas inscrit chez eux, il y a des chances qu'ils aient déjà quand même des infos sur vous. Heureusement, beaucoup de gens ont manifesté leur mécontentement et ont expliqué le problème grâce à différents médias. Et comme c'était vraiment important, la DGFiP a réagi. Ils exploitent toujours le lecteur YouTube, mais avec les options de confidentialité activées et le délai d'attente a été réduit à 5 secondes, sans avoir besoin de regarder la vidéo obligatoirement. Ce n'est pas encore parfait, mais pour le pistage des utilisateurs, c'est beaucoup mieux. Pour résumer, ce faux pas de la part de la DGFiP en ces temps de RGPD et juste après la révélation de l'affaire Cambridge Analytica est plus que malvenu. Néanmoins, elle a depuis corrigé un petit peu le tir et on ne peut qu'espérer que la prochaine campagne pédagogique soit réalisée avec un peu plus de considération pour la vie privée des concitoyens. L'avis de Flo. Je ne connais pas l'historique qui nous a amené à ce résultat. C'est peut-être juste une maladresse d'un développeur. Mais quoi qu'il en soit, je trouve que ce genre de situation ne devrait pas exister. La protection des citoyens fait partie de la mission de l'État et les récentes affaires, révélations de Snowden, Cambridge Analytica, etc., ont montré au monde la problématique de la surveillance numérique. Ajoutez à cela le fait que l'État français n'arrête pas de souhaiter des pépites, des licornes, une French Tech ou autre cloud souverain, celui-ci ne peut pas se reposer sur un acteur américain alors qu'il existe des alternatives françaises et même des alternatives françaises libres. Je pense que critiquer les GAFAM n'est pas suffisant et que la réglementation n'est pas la seule voie d'amélioration. Nous avons en France et ailleurs dans le monde à travers le mouvement du logiciel libre
de superbes projets qui ne demandent qu'à être mis en valeur. Il faut donc aussi montrer l'exemple et mettre en avant ces acteurs qui éditent des solutions numériques éthiques. Dans l'idée, je vous invite à aller faire un tour sur le site Contributopia de Framasoft, contributopia.org, pour réaliser un peu plus ce qu'il est possible de faire. L'avis de Tom. Je suis d'accord avec Flo sur le résultat à obtenir, mais je pense qu'il faudra agir en amont pour ne même pas avoir à se poser toutes ces questions. Aujourd'hui, les plateformes qu'on utilise tous font à peu près n'importe quoi avec nos données. Alors oui, on accepte des CGU qui sont censés tout nous expliquer. Mais même si on fait l'effort de les lire, il faudrait tout un tas de diplômes dans plein de domaines différents pour bien les comprendre. Le système actuel crée une obligation pour l'utilisateur de tout comprendre. Il lui met sur les épaules la responsabilité d'avoir signé un document qu'il n'était pas en mesure de comprendre, mais aussi la faute de ne pas avoir compris ce que la plateforme ferait des données. La solution pourrait être de normaliser et de noter l'utilisation que les entreprises font des données. Tout comme pour le diagnostic énergétique des appareils électroménagers. On a un indicateur visuel qui donne une idée en un coup d'œil sans devoir digérer la documentation technique. Une initiative d'utilisateurs a d'ailleurs vu le jour dans ce sens, appelée Terms of Service Didn't Read, qui analyse pour nous les CGU et les notes. Il y a même des extensions pour les principaux navigateurs qui vous permettent de savoir en naviguant comment sont notés les sites que vous consultez. Par exemple, YouTube est classé D. Sur une échelle de A, c'est très bien, à E, c'est très mauvais. Sur une échelle de 7 à 8, à 7, ils se comportent comme des fumiers, et à 8, ça va mieux. Alors et vous, qu'en pensez-vous? Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si ça vous a plu, tipez, mettez un pouce en l'air, partagez sur les réseaux, abonnez-vous, écrivez-nous un commentaire, donnez-nous votre avis sur le sujet. Et si vous voulez en savoir plus sur les données collectées par Facebook, allez voir la vidéo de 3 minutes pour comprendre dont on vous a mis le lien dans la description. Vous allez voir, c'est hyper intéressant et super flippant. C'était Tom et Flo pour Qu'est-ce que tu geeks ? Salut !